Coucou mes amours, bienvenue sur ma chaîne. Coucou mes amours, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. De mon côté, tout va très très bien. Aujourd'hui, nous allons parler de ma prise de poids et de ma perte de poids. Ce qui m'a fait prendre du poids et ce qui m'a fait perdre du poids. Bon, avant de commencer, je remercie mes nouveaux abonnés et mes anciens abonnés. Faites comme chez vous. Donc, nous allons parler de ma prise de poids. Qu'est-ce qui m'a fait prendre du poids? Avant de me marier, je n'étais pas, bon, moi j'ai toujours été une fille potelée, donc je n'étais pas très grasse, je n'étais pas mince, mais j'étais avant mon mariage. Donc après le mariage, quand je me suis mariée, puis je suis venue retrouver mon mari, j'ai pris peut-être 3-4 kilos avant de tomber enceinte de mon fils. Quand j'étais enceinte, on m'a prescrit certaines vitamines. Parce que moi, au début de ma grossesse, m'a tellement menacée. Au début de ma grossesse, moi, j'étais toujours malade. Donc, ce qui fait que moi, je ne prenais pas le poids. Donc, en un mois, j'ai perdu 5 kilos. Premier mois de ma grossesse, j'ai perdu 5 kilos. Deuxième mois de ma grossesse, j'ai perdu presque 2 kilos. Donc, je peux dire les trois premiers mois de ma grossesse, j'ai perdu 10 kilos. Ce qui fait que ça a inquiété mon médecin, celle qui me suivait. Elle m'a prescrit des vitamines vraiment fortes. Donc, j'ai commencé à prendre ces vitamines. Et cela n'arrangeait pas les choses. Et j'ai aussi une grossesse. J'ai eu aussi le diabète pendant ma grossesse. Donc ce qui fait que moi j'ai fait un régime pendant ma grossesse, j'ai pris 6 kilos. Et oui, ça va être surprenant, j'ai pris trop 6 kilos. Et quand j'ai pris les 6 kilos, et quand j'ai accouché, pardon, c'est là où, pendant mes 9 mois de grossesse, je vous assure, je peux dire que je n'ai presque rien mangé. Donc je n'ai pas pris le poids, j'ai pris le poids parce qu'il peut être l'enfant, parce que j'ai pris 6 kilos. Après ma grossesse, parce qu'avant même j'ai d'abord perdu 10 kilos avant de prendre 6 kilos, ce qui fait que bon, j'avais poids, mon même poids quand j'ai accouché mon enfant. Quand j'ai accouché mon fils, c'est là où les problèmes ont commencé. J'ai commencé à manger, j'ai commencé à avoir un appétit vraiment. À tout moment, il fallait que je mange, j'avais toujours faim, et quand je ne mangeais pas, j'avais mal à la tête dans mon cerveau, me disait que Karine, il faut manger, c'est l'heure de manger. Parfois, je me trouvais à 2 heures du matin au frigo en train de manger. C'est ainsi que j'ai commencé à prendre le poids vraiment sauvagement. 2 mois à la maison, j'ai pris 10 kilos. J'ai dit waouh, 10 kilos en 2 mois. Je suis allée chez mon médecin, l'enfant avait 6 mois. Je pars chez mon médecin, je dis que mais pourquoi depuis que j'ai accouché, pendant que j'allais, au lieu que je perde le poids, je prends un peu tout le poids. Elle m'a demandé, elle m'a vu, elle m'a dit que mais tu as pris le poids, mais quand tu étais enceinte, tu n'as pas pris le poids, mais je vois tu as pris beaucoup de poids, je ne t'ai pas reconnue. J'ai dit oui, c'est justement ça qui me fait venir ici. Elle me dit montre-moi ton carnet, je montre mon carnet. Elle me dit mais qui t'a prescrit ce genre de médicament? Elle dit que non, c'est la femme qui me suivait, la sage-femme qui me suivait. Elle me dit non, ces médicaments c'est pour les gens qui sont en, donc c'est pour les anorexiques. Donc c'est un vitamine qui est tellement fort, je vois pourquoi tu as toujours faim, c'est ces vitamines là qui jouent sur toi maintenant. Donc durant la grossesse, tu prenais, c'est après la grossesse, dans l'effet secondaire, c'était après dans l'accouchement. Donc ça qui a fait, j'ai commencé à manger, à faire tout ce qui va avec. Elle m'a dit que Karine, le conseil que je peux te donner, tu ne peux pas réussir à faire un régime avec ces médicaments que tu as pris, parce que tu auras toujours, ça sera très difficile pour toi de réussir. Le conseil que je peux te donner, c'est de laisser d'abord le temps passer, même un an. Après, tu t'engages à faire un régime. C'est ainsi que bon, j'ai laissé le temps faire, j'ai pris le poids, je me suis dit, j'ai pris seulement le poids, j'ai accouché, j'avais 83 kilos, je me suis retrouvée avec 98 kilos. Imagine, après, donc quand j'ai accouché mon fils, j'avais 83 kilos. J'ai conçu mon fils, j'ai 75 kilos, 76 kilos, donc je balançais les 75, 76, même 77. J'ai accouché à 83 kilos, donc je suis peut-être avec 83 kilos. Je me suis retrouvée pendant l'allaitement avec 98 kilos. C'est ainsi que j'ai commencé à prendre les produits, à payer les produits en pharmacie pour maigrir, les tisanes et tout. C'est un jour, je suis tombée sur la page une page Facebook. Il peut dire cette page m'a vraiment beaucoup aidé, vraiment. Cette page-là, vraiment. Je remercie ma cousine d'avoir aimé cette page ce jour. Quand j'ai vu cette page, j'ai essayé. J'ai contacté la personne. C'était Kilo Killer. Aujourd'hui, elle a changé de nom. Maintenant, c'est Ikonga. Pour ceux qui connaissent Ikonga, j'ai contacté Ikonga et puis elle m'a suivi. Et tout, et j'ai perdu, avec elle j'ai réussi à perdre 20 kilos. Et vraiment, je remercie Ikonga pour cela. Ce n'est pas une vidéo partenariat, donc je ne suis pas sûre qu'elle est abonnée sur ma chaîne, je ne suis pas sûre qu'elle va voir cette vidéo. Donc c'est d'abord elle qui m'a donné l'envie de perdre le poids. Parce que quand j'ai commencé à perdre 20 kilos, j'étais contente. Donc après, bon, par faute de moyens et tout, parce que c'était payant, par faute de moyens et tout,
j'ai dû laisser et j'ai commencé à faire mes régimes moi-même. Donc, à essayer, c'était un régime. C'était comment faire pour pouvoir garder? Parce que j'ai perdu le poids, ça fait déjà 2 ans. J'ai perdu plus de 20 kilos, ça fait déjà 2 ans. Donc, aujourd'hui, je suis. Il y a les jours où je prends quelques kilos, les jours où je maigris, les jours où je prends quelques kilos, mais le poids d'avant, 98 kilos, je n'ai plus. Et je lutte pour ça. Vraiment, je lutte vraiment pour ne plus jamais avoir ce genre de poids. Et avant ma grossesse, j'étais comme ça. Pendant ma grossesse, j'étais comme ça. Après ma grossesse, j'étais comme ça. C'est l'une des rares photos que j'ai parce que... Donc voilà les deux photos que j'ai après ma grossesse. Donc c'est tellement... C'est l'une des rares photos que moi j'ai. Donc c'est un peu... Donc ce temps-là, je ne me filmais plus trop. Parce que vraiment, je faisais plus des stats. Donc je ne me filmais plus trop. Et maintenant, je suis comme ça. Et pour celles qui veulent savoir comment j'ai maigri, tous les jours, on m'envoie des messages. Inbox, Karine, comment tu as fait? J'aimerais m'écrire, ça va comment et tout. Voilà les menus que j'ai postés sur ma page. Et c'est ces menus que j'aide mes abonnés qui sont dans le groupe avec moi. Respectez ces menus et vous verrez, vous aurez des résultats. Donc je ne sais pas quel miracle moi je peux encore vous dire. Le régime, c'est vrai que le régime, c'est un processus vraiment très très long. Le but du régime, quand tu réussis ton régime, ce n'est pas de perdre 100 kilos, maman. Réussis son régime. C'est de perdre 100 kilos et de ne plus reprendre ces 100 kilos. Voilà le principe du régime. Parce que tu perds 100 kilos, puis tu reprends encore les 100 kilos. Vraiment, ce n'est pas le régime. Le régime, c'est de réussir à perdre ces 100 kilos et de caler sur ces 100 kilos. Donc, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner.